Jean, chapitre 20, au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient que les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Amen. 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 Nous allons ce matin nous tenir debout et nous allons adorer Dieu. Et nous allons permettre à l'Esprit de Dieu. C'était lorsque Jésus fut crucifié. Il a été enterré et toute la population de Jésus était dans la détresse. Le désespoir était entré parmi le peuple. Et le peuple ne savait plus quoi faire. Et Jésus ressuscité va revenir vers eux. Donc, au départ, ils ne l'ont pas reconnu. Et il s'est fait voir, il est sorti du mystère, afin que ses disciples le voient. Et il était venu pour accomplir quelque chose avant de partir au Père. Il a dit que la paix de mon Père soit sur vous. Alléluia. Amen. Et pour que la paix s'installe dans le cœur de ses disciples, il fallait que Jésus souffle sur leur vie son esprit. Et ce matin, pour que nous recevons la paix du cœur, afin que tous les problèmes et les circonstances de ce monde face auquel nous sommes confrontés, nous puissions résister. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons inviter le Saint-Esprit. Le groupe Barak va nous amener un cantique à faire appel à l'Esprit de Dieu, celui qui donne la paix du cœur, le consolateur de chaque âme, celui qui vient pour nous libérer de tous les filets de l'ennemi. Dispose-toi, lève-toi, et tends tes mains vers les cieux, abandonne-toi ce matin, oublie tes soucis, parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ, celui qui ne fait exception de personne. Il n'est pas venu ce matin pour te juger. Et même si tu es tombé, il te tend sa main, il te relève, afin que tu marches avec lui. Seigneur, aide-nous ce matin. Esprit descend sur moi, Yahweh. Esprit descend sur moi. Oh,
ta vie. L'Esprit de Dieu vient ce matin pour toucher ta vie. Le Saint-Esprit descend sur nous ce matin et comble nos vies de ton ancien. Le Saint-Esprit descend. Se manifestant par la puissance de l'Esprit.
nom de Jésus-Christ, les dons de discernement des esprits se lèvent ce matin dans la vie du peuple des cieux. Et toute pensée captive se taise par l'Esprit de Dieu. Toute pensée captive se taise par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est en train de souffler un bon nouveau dans son Église, afin que le premier amour que tu avais du Seigneur soit restauré par le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait ce matin, ma soeur. Ne regarde pas celui d'à côté, n'ouvre pas tes yeux. C'est dans la méditation de la grandeur de Dieu que Dieu visite son peuple. Et il y a longtemps que tu as perdu ce courage, cette envie de prier a disparu de ta vie. Cette envie de manifester le jeûne et la prière a disparu de ta vie. Mais ce matin, le restaurateur, l'Esprit de Dieu, se répand sur vous. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit des cieux et que gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai dit, un vent nouveau souffle ce matin, une vie nouvelle commence. Les choses anciennes sont passées et toutes choses se renouvellent ce matin par l'Esprit de Dieu. Toi qui es troublé par les esprits, écoute ce matin, le Saint-Esprit est puissant. Il vient pour te délivrer de toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, des personnes qui sont destinées à être sacrifiées, porteurs de la malédiction de la famille, rien ne peut plus changer. Parce qu'une malédiction est attachée à ta vie. Mais le Saint-Esprit vient ce matin. Il est le régénérateur de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'Esprit de Dieu, Église. J'ai dit, un vent nouveau souffle ce matin. Saint-Esprit, viens. Viens. Viens renouveler nos vies. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Dieu souffle ce matin. Il souffle. Il souffle. Quand Dieu souffle, tout ce qui n'est pas à sa gloire disparaît. Dieu fait disparaître le découragement ce matin. L'Éternel Dieu fait disparaître le stress de ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient ce matin. Il se manifeste dans ton cœur. J'ai dit, quelque chose se passe par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à son Église ce matin. Dispose-toi, mon frère. Toi qui vivais la présence de l'Esprit de Dieu dès ta conversion, mais aujourd'hui, tu ne sens plus la présence de l'Esprit de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi ce matin, afin que son Esprit te régénère pour vivre sa gloire. Il veut changer ta façon de voir les choses. L'Esprit de Dieu veut t'amener à comprendre la parole de Dieu. Le voile du cœur ce matin s'écoule sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Le voile tombe ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une action nouvelle souffle. Souffle, 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 souffle,
Jesus power. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Dispose-toi parce que quelque chose a été prévu dans les cieux pour toi. Le Seigneur a prévu une grâce immense pour toi, l'Église. Reçois maintenant le renouvellement de ton esprit par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui envahis par la peur, sous l'oppression, sous l'oppression, et tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur, j'ai dit tu es oppressé. Mais le Saint-Esprit vient pour te sortir de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ, tu es captif, tu as été emprisonné par une pensée de ce monde. Et tu as du mal à oublier cette pensée. Et cette pensée est devenue un roc dans ta vie. Et à cause de cette pensée négative, des témoignages du passé que tu as encore dans ton cœur, il est difficile pour toi d'avancer. Mais le Saint-Esprit vient sur la terre pour briser le roc de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es troublé par un événement douloureux. J'ai dit, tu es troublé par un événement douloureux. Et cet événement est en train de créer un mal dans ta vie. Quelque chose de douloureux s'est passé, de douloureux s'est passé dans ta vie. Une mauvaise nouvelle est venue frapper à ton cœur. Et cette mauvaise nouvelle a touché ton cœur. Et ton cœur est en train de gémir, de pleurer et de trembler face à cette mauvaise nouvelle. Mais Dieu dit ceci ce matin, il t'offre son esprit. Le Saint-Esprit vient. Je dis l'Esprit de Dieu vient ce matin pour opérer des miracles dans la vie du peuple de l'éternel Dieu. Longtemps, tu as été rabaissé. Longtemps, tu as été stressé par les responsables de ton travail. Et cela ne te donne plus le courage de travailler comme tu le faisais dès le départ. Mais le Saint-Esprit vient ce matin afin de renouveler le courage d'être démarqué dans ton travail, de ce que tu sois élevé dans ton travail, afin que tous ceux qui t'entourent témoignent la gloire de Dieu. Dieu parle à un cœur ce matin, un cœur qui a battu. La trahison de ce monde t'a donné la haine de ce monde. Tu as été trahi et tu n'as pas la force d'oublier et de faire passer ce moment de trahison. Et à chaque fois, ces choses reviennent et prennent place dans ton cœur. Mais ce matin, le Seigneur te délivre de la haine que cet événement, cette trahison a provoqué dans ton cœur. Tu te sens trahi, tu te sens trompé. Et tu dis à ton cœur, qu'ai-je j'ai fait pour mériter cela? Laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que tu sers, Jésus-Christ, vient pour te libérer ce matin. Reçois la délivrance par le Saint-Esprit ce matin. Que les choses anciennes soient passées. Oublie les événements passés et saisis cette occasion. Laisse le Saint-Esprit se manifester dans ta vie.
Jérusalem a oublié.